Salut les gens, c'est Melkor. Deuxième journée du tournoi des 6 nations 2018 et l'Irlande vient de battre l'Italie assez sévèrement. 56-19, bonus offensif pour les Irlandais. Voilà, c'était en Irlande, les Italiens ne se sont pas vraiment relevés de leur défaite la semaine dernière face aux Anglais. Voilà quand même 3 essais marqués par l'Italie, mais l'Irlande vraiment beaucoup trop forte. Beaucoup trop forte, 6 ou 7 essais, je sais plus, perd le compte au bout d'un moment. Voilà, l'Irlande dont le pack a été largement supérieur, qui a été beaucoup plus discipliné, qui a su saisir quasiment toutes les opportunités de marquer. Vraiment assez impressionnant en la première demi-heure avec quasiment un point par minute. C'était assez hallucinant le ratio de points marqués par les Irlandais. Vraiment très très bon. La charnière était très bonne. Conor Murray et Sexton, l'entente continue et ils sont vraiment toujours aussi bons. C'est vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant, voilà. Et ouais, le pack, globalement le pack de l'équipe d'Irlande, très rentable, voilà, qui commet peu de fautes, qui avance, des avants très productifs, des bons mauls, des bonnes touches, des bonnes mêlées, des rocks très très bons, le jeu au sol irlandais est toujours aussi fort. Face à eux, les Italiens, ils n'ont pas pu faire grand chose, limité, les Italiens vraiment limités, j'ai trouvé vraiment assez pauvre, capable de contre-attaquer, ils ont marqué 3 essais, capable de certaines fulgurances, mais globalement leur défense, ça, c'est pas tout à fait ça. Beaucoup d'indiscipline, pas mal de fautes. Difficile pour eux, voilà, de ne pas craindre une cuillère de bois cette année. On verra ce qu'ils font contre nous et contre l'Écosse, mais bon, ça, les chances d'avoir des succès dans cette compétition sont vraiment compromis pour eux. Là, ils n'ont pas vraiment grand chose à sauver dans le jeu italien, qui est vraiment un petit peu aux fraises, hein, quand même, faut le dire. Là, l'Italie. L'Italie, franchement, c'est pas tout à fait ça, quoi. Là, ouais, beaucoup d'indiscipline, des fautes. Ils savent pas trop quoi faire du ballon. On se débarrasse trop souvent du ballon. C'est un mal italien, ça depuis très longtemps. On se débarrasse du ballon. Je vois qu'il y a un bon ballon, souvent il finit dégagé au pied. C'est un petit peu gâché à chaque fois. Des fautes de main. Beaucoup de fautes de main, de toute façon, dans ce match. Qui a un peu gâché, voilà, le match n'est pas hyper intéressant à suivre à cause de ça. Voilà, pas mal de fautes de main et du coup, bah, ça finissait avec des mêlées. Bon. C'était pas hyper intéressant. Ouais, l'Irlande qui a encore montré des bonnes combinaisons en touche. Et après mêlée aussi. Finalement, ça combine pas mal. De redoubler. Des choses plutôt intéressantes. Pas forcément fameuses. Pas forcément du haut rugby. C'est pas les All Blacks non plus. Mais voilà, une équipe plutôt complète. Peut-être pas autant que l'équipe d'Angleterre, mais quasiment. Ça joue à peu près au même niveau. Vraiment, une bonne équipe d'Irlande. Voilà, des joueurs plutôt intéressants. Ils ont rapidement fait rentrer les joueurs du banc. J'ai pas mémorisé tous les noms. Le match vient juste de se terminer là. J'ai pas mémorisé tous les noms, mais généralement, ils ont fait des entrées plutôt pertinentes, plutôt intéressantes. Voilà, du côté italien, mon Sergio commence peut-être à avoir les ailes qui touchent la piste. C'est un petit peu regrettable, mais c'est comme ça quoi. Là, on sent qu'il commence à être un peu limité et qu'il peut pas être partout. Hein. Il peut pas être partout, Sergio Parisse. Et donc, forcément, il y a des moments où ça se voit quoi. Ça se voit et. Il veut tout faire, il veut trop bien faire et ça fait pas toujours quoi. Il y a des ballons qui ont été interceptés, des ballons perdus, des ballons importants qui ont été mal joués finalement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, une équipe italienne qui souffre d'un réservoir peut-être un peu trop à lui et d'autres difficultés. Voilà, qu'on détaillera pas ici parce que ce serait trop long et trop vaste, trop complexe. On va faire une étude très complète sur le. Faire un diagnostic, si vous voulez, du rugby italien qui serait voilà, qui mériterait plusieurs heures de débriefing, à mon avis. Mais voilà, donc l'Irlande se place idéalement voilà, dans ce tournoi des 6 nations 2018, dont ils prennent la tête temporairement avant le choc entre les Anglais et les Gallois. Donc voilà, très bonne équipe d'Irlande qui a marqué beaucoup de points, qui a emmagasiné de la confiance. Alors, je suis un peu qui reçoivent ou chez qui se déplacent dans 2 semaines, parce qu'il y a une semaine d'interruption la semaine prochaine. Donc je suis un peu exactement du planning, mais peu importe, voilà. Ils sont quand même bien dans ce tournoi, ils sont présents, ils sont voilà, dans des contextes assez différents, que ce soit à Saint-Denis ou à Dublin, ils ont su répondre présent, ils ont su être déterminants au bon moment, et voilà, là ça passe à l'aise, mais vraiment à l'aise. Sur ce, je vous dis à une prochaine, ciao, bye.